Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on se retrouve en anatomie pour parler du rein et de l'appareil urogénital. Je sais, c'est l'un des organes les plus difficiles à apprendre, donc on va y aller étape par étape. Il est évident qu'en une seule vidéo, je vais pas avoir le temps de faire tout le rein. Donc je vais d'abord parler du rein d'un point de vue anatomique, puis je ferai bien sûr d'autres vidéos pour parler de la physiologie du rein, parce que c'est pas du tout la même stratégie. Je t'encourage, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, à regarder les dernières vidéos, notamment la dernière vidéo sur le poumon. D'accord? Pour bien apprendre les notions, puis tu reviens sur cette vidéo une fois que tu as appris les différents organes. Alors, le rein. Le rein, c'est un organe génial. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'adore le rein. Mais il est clair que c'est pas si simple à comprendre. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va essayer de prendre les éléments essentiels. Hein, je pourrais vous faire des heures et des heures sur le rein aussi, c'est pareil. Moi, j'adore ça. Mais l'objectif, c'est qu'on aille à l'essentiel. Alors, concrètement. Par rapport au rein, bon déjà, il faut savoir, vous en avez deux des reins, d'accord? Vous avez deux reins. Et petit spoiler, quand on fait une greffe rénale, on n'enlève pas un rein, on les laisse. Les deux reins, on va les laisser, on va rajouter un troisième rein. Et oui, on va rajouter trois reins. C'est génial, moi quand j'ai su ça, quand j'étais en service, je dis waouh, j'avais jamais appris ça à l'école. Et moi je me suis dit, je vais vous le dire, c'est quand même super intéressant comme anecdote. Donc on a trois reins quand on fait une greffe rénale, ok? On laisse les deux reins en position. Mis à part ça, on va commencer par le rein. Alors vous voyez bien, effectivement, que... Alors je vais enlever mon squelette, il ne sert pas à grand chose. On va avoir le rein ici, d'accord? Les deux reins. On va avoir l'urètre et puis la vessie, je vais vous en parler en détail. Alors première chose, avant de commencer par parler en soi de l'anatomie du rein, je vais quand même vous donner quelques éléments physiologiques sur le rein. À quoi ça sert? Donc les fonctions rénales, ok? Les fonctions rénales, quelles sont-elles? On va les voir ensemble. Alors il est clair que ça, vous devez maîtriser. Ça, c'est évident. Vous devez absolument maîtriser la partie, je dirais, physiologie rénale pour comprendre tous les mécanismes qui se passent dans votre corps. Alors concrètement, la première fonction au niveau du rein, c'est tout simplement la filtration du plasma sanguin. Ça, vous le savez, il n'y a pas de problème. Filtration du sang, pour faire simple. Ok? Et après, ça va bien sûr former l'urine, hein, ça, vous le savez. Deuxième fonction que vous connaissez aussi, en général, c'est tout ce qui est lié aux équilibres hydro-électriques. D'accord, ce qu'on appelle l'homéostasie, d'accord, hydroélectrolytique. Ensuite, dernière fonction que vous connaissez un peu moins, c'est une fonction de type endocrine. Mais oui, parce que le rein est une glande, donc une fonction endocrine. D'accord. Alors, concrètement, quelles sont les hormones, les molécules qu'on peut avoir sécrétées au niveau rénal? Eh bien, on a d'abord l'érythropoïétine, l'EPO. D'accord? L'EPO, l'érythropoïétine. Alors, c'est une hormone qui est vraiment intéressante parce qu'elle va stimuler l'érythropoïèse, d'accord? Au niveau de la moelle osseuse. Donc, en général, elle est sécrétée bien souvent en altitude. Hein. Avant, par exemple, une petite course de cyclisme, eh bien, on va pouvoir... aller en altitude, avoir un peu plus d'EPO qui va être formé et donc avoir apporté plus d'oxygène. Bon, ça, c'est le côté pratique. Donc, l'EPO, hein, retenez. Hein. L'EPO, pas mal. La rénine, bien sûr. Hein, je vous rappelle, la rénine, donc ça participe à la régulation de la pression sanguine avec le système rénine, angiotensine, aldostérone. Je vous ferai bien sûr une vidéo à ce sujet. Bon, vous inquiétez pas là-dessus. Et on a aussi les prostaglandines, éventuellement. Prostaglandines. Voilà. Qui participe également à la régulation du système rénine, angiotensine, aldostérone, mais bien entendu, j'en parlerai en détail dans une autre vidéo. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va commencer à aller au niveau anatomique. Alors je vous propose qu'on aille un petit peu zoomer au niveau du rein. On va tout simplement isoler les parties qui ne nous intéressent pas. Voilà, on va donc enlever ça. Et puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, il faut savoir qu'il existe quand même énormément de structures. Je sais que le rein, c'est hyper compliqué. Concrètement, moi, j'ai compris l'anatomie rénale et même la physiologie rénale qu'en quatrième année de pharmacie. Alors, vous imaginez bien qu'à votre stage, je comprends que ça soit très difficile. Donc, on va essayer de détailler certaines notions qui me semblent importantes, d'accord? Alors, on a une zone périphérique, externe, qu'on appelle la corticale. Donc, je vais mettre ici, tout simplement, la corticale, d'accord? Donc on va mettre en zone périphérique la corticale. Comme ça, vous avez compris le concept. Et on va aller au centre, ce qu'on appellera la médullaire. D'accord? Je vais mettre ici. Alors au centre, hein, on va expliquer en détail tout ça. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de structures, hein, dans le rein. C'est quand même hyper complexe. J'irai pas dans le côté des néphrons aujourd'hui. Je vais juste aller sur l'anatomie générale du rein. Et on ira dans une autre vidéo sur les néphrons. Hein. Alors,
Vous avez autour en fait de tout ce rein une capsule fibreuse, d'accord? Et puis vous avez des formes en fait un peu des formes de pyramide, hein, justement c'est comme ça que ça s'appelle. On a une zone en fait corticale, ou cortex, hein, cortex, et puis une zone médullaire, ok? Donc la corticale et la zone médullaire. Plus on s'approche de côté médullaire, et plus on va former l'urine, ok? C'est ça l'objectif. Et donc on va avoir des zones un petit peu particulières. Les zones que j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce sont les pyramides de Malpighi. Alors pour faire ça, je vais vous les mettre ici. Donc les pyramides de Malpighi. Il ne faut pas faire de faute. Voilà. Pyramide de Malpighi. Ok? Donc en fait, on a à peu près par zone médullaire, on va avoir 6 à 9 formations pyramidales avec des pyramides de Malpighi, dont en fait la base va être dirigée vers la corticale, d'accord? Et elles sont séparées les unes des autres par les colonnes de Bertin. Je vous donne comme ça, hein, pour que vous puissiez avoir les notions. Je ne peux pas forcément décrire en détail, mais connaissez bien, voilà, qu'entre chaque élément, on a les colonnes de Bertin. Je vais juste vous les mettre là, comme ça vous aurez l'élément en tête, ok? Colonne de Bertin. Voilà, ça c'est important de savoir. Hein. Je répète, hein, chaque pyramide de Malpighi est séparée les unes des autres par les colonnes de Bertin, qui sont en continuité avec la corticale, d'accord? Et puis vous allez avoir les pyramides de Malpighi qui partent en fait à les formations qui vont être étroites et longues au niveau du sommet et qui vont être tournées vers la capsule. Ce sera ce qu'on appelle les pyramides de Félin. Alors je vais juste vous les mettre comme ça en mots-clés, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous en rappeler dans d'autres vidéos en détail. Là, ce que j'aimerais vous en parler surtout, c'est les pièges qu'on va avoir. Et ça, je vais vous le dire tout de suite. Okay? Quels sont les pièges qu'on va pouvoir avoir? Eh bien, on va le mettre tout de suite. Alors, regardez. Regardez bien. C'est très simple, hein, comme piège. Si on parle du lobe rénal. Lobe rénal, en fait, on va associer deux choses. Première chose, ça va être une pyramide de Malpighi. D'accord? Une pyramide de Malpighi. Et on va associer plus à cela un parenchyme rénal. Ok? Maintenant, si je veux parler d'un lobule rénal, d'accord? En fait, je prends cette fois-ci les pyramides de Félin et un parenchyme. Vous voyez, ça peut être un gros piège de QCM. Et donc, il faut le savoir. Plus du parenchyme rénal. Donc, ça, c'est des pièges classiques de QCM lorsqu'on vous parle du rein, tout simplement. Okay? Donc lobe rénal, lobule rénal. Vous devez savoir les petites différences. Et je sais que c'est assez subtil, donc je reviendrai dans une autre vidéo en détail où je vous expliquerai cette structure-là. Vous inquiétez pas là-dessus. Puis bien sûr, si vous avez moins de questions, n'hésitez pas évidemment à me le dire. On va aussi parler d'un certain nombre de cavités. Hein. On pourra avoir des possibilités, notamment quand on va parler du petit calice. La grande calice, du bassinet, tout ça, c'est des petits mots comme ça qui peuvent revenir. Donc en fait, les petits calices, c'est situé aussi au niveau des pyramides, en fait, des pyramides, au sommet même des pyramides de Malpighi, d'accord? Vous avez le petit calice. Alors, je vais juste vous le mettre ici. Alors, on va un peu zoomer, ce serait bien. On va juste zoomer un petit peu. Ok? Voilà, je vous le zoome un petit peu. Comme ça, on pourra un peu être dans le détail. Donc là, concrètement, on va se mettre ici. Voilà. Et là, on va voir en fait la position du petit calice. D'accord? Voilà. Ensuite, on va continuer dans sa stratégie et on va aller dans le grand calice. En fait, c'est là où va confluer en fait tous les petits calices pour former en fait un petit système quand même assez sympa. Alors, je vais vous le mettre à peu près par là. Vous allez imaginer que tout vient dans un seul endroit. Ok? Le petit calice forme un grand calice. Donc, je vous le mets au centre. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ok? Voilà, grand calice. Et puis bien sûr, on va avoir le bassinet, c'est là où on va pouvoir avoir l'extrémité, hein, extérieure de notre tout simplement de notre uretère. Alors là, vous avez les petites artères et les veines qu'on va avoir devant, mais je vous expliquerai ça après. Donc je vais juste le mettre ici. D'accord? Et donc là, ça va être le bassinet. Ok? Voilà. Bon, je réexplique en 2 secondes, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Vous avez donc les petits calices avec les situés au sommet des pyramides de Malpighi. Vous avez ensuite les grands calices, qui est une zone de confluence des petits calices, et vous avez le bassinet, qui est en fait l'extrémité supérieure de votre uretère. Ok? Voilà. Si vous avez compris ça, c'est parfait. Alors bien sûr, hein, dans chacune de ces structures-là, hein, on va avoir les néphrons. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que ça demande énormément de temps pour vous expliquer ça, pour que ça soit vraiment compris. Hein, et je sais que ça, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai galéré pendant des années à comprendre le concept.
Et il faut que je puisse prendre le temps pour vous expliquer comme il faut, pas comme font la plupart des profs, vous expliquer des trucs et ne pas comprendre d'où ça vient. Et moi j'avais beaucoup galéré là-dessus, donc c'est pas le but du jeu. Mais par contre, là où ça va être important, c'est qu'on va parler, maintenant on va parler des différentes artères et des veines. Et ça c'est vraiment important, vous allez avoir ça dans les QCM souvent. Et donc pour cela, bah, il faut comprendre quelques concepts. Alors, on va juste se remettre par là, voilà, et on va essayer d'expliquer comment ça se passe d'un point de vue vascularisation. D'accord? Alors, première chose qui se passe, vous avez bien entendu ici, vous voyez l'artère rénale. Donc, on va passer l'artère rénale ici. Je vous rappelle, hein, l'artère rénale vient bien sûr de l'aorte. Okay? L'aorte qui fait d'abord l'aorte ascendante, puis l'aorte thoracique, l'aorte abdominale, puis ensuite les artères rénales. Il y en a deux, hein, bien entendu. De cette artère rénale, vous allez avoir des différents segments qui vont se passer. Elle va se subdiviser. Ce sera donc la première artère segmentaire. Artère segmentaire. Ok, ensuite, donc une fois qu'on a l'artère rénale, l'artère segmentaire, on va retrouver les artères interlobaires. Alors, c'est à peu près par là. Enfin, je vais vous le mettre ici, c'est plus simple. Voilà. Artère lobaire. Artère interlobaire. Retenez bien, parce que ça, c'est la manière dont circule le sang dans le rein. Ensuite, vous avez les artères attendez. Arciforme, c'est très dur à dire ça. Arciforme, c'est par là. Voilà. Donc artère, arciforme, voilà, je vous le mets là. Alors, en fait, ces artères-là qu'on voit pas, elles sont pas situées là, mais en fait, elles sont toutes petites comme ça. Okay. Ensuite, vous avez des artères, alors je vous les mets en nom, okay, c'est juste pour vous expliquer le truc, mais je vous expliquerai ça en détail quand on verra les néphrons. Artère lobulaire, alors j'ai fait une faute. Non, c'est bon. Artère interlobulaire, ensuite on va avoir une artériole afférente, ça c'est quand je vous expliquerai le glomérule en détail. Là je vous mets le processus, puis quand je vous expliquerai le glomérule, on verra ça en détail. Artériole afférente. Ok, de cette artériole afférente, on va retrouver ensuite notre glomérule. Glomérule. Du glomérule, il va se passer qu'on va avoir donc les échanges à ce moment-là, et on aura les artérioles. Artériole qui va être efférente. Ok. Voilà. De cette artériole efférente, on va avoir les capillaires péritubulaires. Capillaires péritubulaires. Voilà, donc c'est cortico. Hein. Ensuite, on a aussi une partie qui s'appelle la vasa recta. Okay. Alors, ça, les capillaires péritubulaires, c'est pour la partie corticale. Et puis, pour la vasa recta, ce sera pour la médullaire. D'accord? Recta, pas recto. Recta. Voilà. C'est pour la partie médullaire. D'accord? Et ensuite, bah, ça va permettre ça va être des capillaires. Hein. Donc, on va parler maintenant de veines. Donc, on va avoir les veines interlobulaires. Ensuite, en fait, c'est la même stratégie à l'envers. Forcément. Veines actiformes. Veines arciformes. Bah, c'est dur à dire ça. Veines arciformes. On va avoir ensuite les veines interlobaires. Ouais, se mettre par là. Veine interlobaire. Interlobaire. Okay. Ouais, vous faites pas mal avec ça. Et de cette veine interlobaire, on va retrouver notre veine rénale. Et vous avez le circuit de vascularisation de votre rein. D'accord? Ok? Donc là, donc artère rénale, artère segmentaire, artère interlobaire, artère axiforme. Artère interlobulaire, artériole afférente, glomérule, artériole efférente, capillaire péritubulaire au niveau de la corticale, vasa recta au niveau de la médullaire, veine interlobulaire, veine arciforme, veine interlobaire, veine rénale. Voilà comment circule le sang dans un rein. Alors bien sûr, quand je ferai le détail des glomérules et des néphrons, vous verrez que c'est encore plus compliqué que ça. Là, c'est vraiment de manière extrêmement simplifiée. Alors ça, c'était notre rein. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille voir, eh ben, je dirais, ben, ce qu'il nous reste à voir, hein. C'est-à-dire la partie-là. Hein. Il reste encore quand même pas mal de petites choses, de petites structures à savoir, et ça, c'est quand même important de maîtriser. Alors, vous vous rappelez, on a bien sûr le rein. Jusque-là, pas de problème. Le rein, je le remets ici. Voilà, donc, on a deux reins. Ensuite, on a notre uretère. Voilà, uretère.
Okay, donc l'urètre, c'est tout ça, hein, bien sûr. L'urètre. Et puis on va avoir la vessie qui va être là en derrière. D'accord? Ne confondez pas d'ailleurs uretère et urètre. Hein, ce n'est pas exactement au même endroit. Okay? Hein, faut bien, ça, faites super attention, parce que ça peut arriver très souvent qu'on vous fait avoir. Hein. On ne le voit pas ici, mais donc l'urètre, c'est ce qui va. C'est plutôt au niveau du gland, hein, d'accord? Hein, et puis au niveau du vagin aussi. Hein, okay? Ce n'est pas exactement au même endroit. Hein. Donc voilà. Alors pour parler des voies excrétrices, parce que là on a formé l'urine, hein. Du rein on a la filtration rénale, ce qu'on appelle le filtrat juste après le glomérule. Il se passe par des néphrons, bah, différents échanges, vous verrez ça. Et puis ensuite, eh ben, on va former l'urine, d'accord? De cette urine, on va passer dans la vessie, et à un moment donné, il bah, faut bien éjecter tout ça. Donc on a les voies excrétrices avec la voie urinaire qui va assurer donc le recueil de l'urine dans les tubes collecteurs, on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Et puis on va avoir ces fameux calices qui vont permettre de créer, de confluer okay, du petit calice vers le grand calice, vers l'urètre, vers la vessie, d'accord? Vous devez bien maîtriser ça. Et la vessie ensuite elle est drainée par l'urètre, tout simplement. D'accord? Voilà à peu près ce que vous devez savoir sur votre appareil urogénital. Hein, l'objectif aujourd'hui c'était vraiment de parler du rein, de commencer sur la partie anatomique du rein. Et dans une prochaine vidéo, cette fois-ci, bah, je parlerai de la physiologie rénale. Hein, bien sûr, je parlerai de la physiologie rénale, c'est évident. Enfin, vous devez maîtriser ça. C'est extrêmement compliqué la physiologie rénale, donc il va falloir vous mettre un max de likes dans cette vidéo pour que je sois méga, pour que j'aie la méga pêche pour entamer cette vidéo. Et puis, bien entendu, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo d'anatomie. Je vous dis à très vite. Ciao, 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 ciao!